Là, on va vous présenter un râpe de lièvre avec un petit croustillant de cuisse de lièvre dessous avec une sauce au chocolat autour. J'ai ramené plein de petits légumes de saison avec plein de couleurs. Vous allez voir, on va s'amuser dans le verre à faire une belle recette. Donc je vous ai ramené ici un râpe de lièvre entier qui a déjà été mariné, qui est ici. Et ici, il a été désossé, évidemment, parce que si je fais la recette du début à la fin, il en a pour 3 heures. À côté, on a rentré aussi des cuisses de lièvre. Donc avec les cuisses de lièvre, on a fait comme un pâté qui est ici. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Comme vous faites une terrine traditionnelle de viande, nous, on a fait en gros moitié lièvre et moitié porc. On y a mis des aromates, on y a mis du vin blanc, on y a mis quelques herbes. Et on l'a cuit 30 minutes, donc une fois que les viandes sont hachées. Pareil qu'un pâté, en fait. Hein. C'est tout simplement un pâté, mais de lièvre. On va en couper un petit bout. Elle va la mettre dans une petite pâte de brique. Ensuite, on va la faire poêler. Et ensuite, on va cuire le râble, donc le râble de lièvre. Et puis, donc, surtout, l'important, c'est la sauce. Donc, la sauce, on l'a réalisée. Je vous ai amené là. Bon, c'est pas très beau. Et voilà, donc, les parures de lièvre, l'os du râble de lièvre qu'on a enlevé, avec les os des cuisses de lièvre. Tout ça, pour ceux qui font un peu de cuisine, mais je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. On les fait rissoler au four, on fait ce qu'on appelle un jus. Donc on met des carottes, des oignons, des poireaux, et on va mouiller à l'eau et surtout au vin rouge. On va faire cuire 2 heures, on va récupérer ce jus, ce bouillon de gibier. Le lendemain, on enlève la graisse et on fait réduire ce jus, ce bouillon de lièvre qui a pris le goût. Et ça donne à la fin ça. Donc on part de, on va dire, bon là c'est froid, hein, donc ça a figé. On part de 10 litres et on arrive à même pas à 2 litres. Alors l'important aussi des sauces, c'est que avant dans l'ancienne cuisine, tout le monde, on les liait avec la farine, avec la maïzena, avec tout un tas de choses. Maintenant, un petit peu dans la nouvelle cuisine, ce qu'on fait, c'est que pour alléger tout ça, on part en réduction, on réduit. Donc évidemment, on a beaucoup moins de jus, beaucoup moins de quantité, mais on a une force dans la sauce qui est sympa. Et une fois que ce jus de lièvre, il est réduit au vin rouge, eh bien, on va tout simplement y mettre 2 ou 3 pastilles de chocolat, donc je l'ai déjà fait, et ça donne ça. Donc cette sauce, on va la réchauffer, on va faire attention qu'elle ne boue pas, surtout. Et ensuite, donc on aura la galette des cuisses de lièvre, le petit râpe de lièvre rosé, la sauce, la petite quenelle de purée de panais et les petits légumes.